Mes viewers, bonjour et bienvenue pour les aventures sur Mountain Blade Warband avec le mode Rome at War. Où on joue. Alors on joue en Spartiate. Ouais. Alors attends. D'accord, oui, j'ai recollé. Donc je joue en Spartiate qui est parti faire une campagne militaire en Gaule. Histoire d'apprendre des techniques, des stratégies. Et donc là tout de suite je suis mercenaire pour les Gaulois. Et l'idée. L'idée c'est de finir. Parce que là j'ai gagné pas mal de renom. Donc l'idée c'est de finir, finir cette campagne militaire, finir ce contrat de mercenaire. Et après on retournera à Sparte. Pour devenir vassal du coup de. Merde. Pour devenir vassal du roi spartiate. Ça c'est pas très intéressant, il nous dit il nous informe que le roi gaulois a décidé de filer des terres à un gaulois, c'est pas très pas très intéressant. Un petit pillage en bonnet du forme. Ok. C'est un peu chiant par contre, c'est. Vous savez, dans le jeu, on n'a pas cette notion de. Je sais pas quand va se terminer mon contrat en fait. Toujours pas de lieutenant, hein, c'est dommage. Moi j'aime bien, bien avoir mes lieutenants, moi merde. Normalement j'ai réussi à monter le Battle Sizer. Persuadé là. Ah merde. Bizarre, pourtant j'avais bien modifié le fichier. 90. On va voir sur une vraie bataille contre un seigneur adverse peut-être. Là, ça doit être la troisième semaine. Okay.
Donc je joins le prochain assaut, bien sûr. Bien évidemment. On fait voir un peu. Ah. 200... 260 à peu près. Voilà, il y a déjà un petit peu plus de monde. Mais je vais pouvoir leur monter encore un peu, je pense. Moi, je gère pas les unités, c'est volontaire. Je pourrais, parce qu'on est en siège, donc. On me donne le leadership, mais. En vrai, je suis pas censé l'avoir. Juste un mercenaire, je suis à côté du roi Brennos. Brennus, hein, monsieur, vous l'aurez compris. Et genre, le mec, il va se ranger derrière moi et c'est moi qui vais décider, quoi. Commencer à faire pousser. Ok, les renforts viennent d'arriver, c'est cool. Je suis coincé, hein, je peux pas. Regardez les morts que j'ai. Des nouveaux ennemis viennent d'arriver, super. Donner mes ordres. Alors attends, 1, F4, F5. On va faire le mur de bouclier. Je leur serre un peu. Merde, j'avais dit que je donnais pas d'ordre aux unités. Putain. J'ai craqué. En vrai c'est des ordres de merde en plus. J'aurais dit les conneries. Regardez-moi ce nombre de cadavres. Ouais. Ah c'est bon, on a des renforts qui arrivent. Putain la vache. J'ai eu un petit moment de doute là, tu sais. Ils nous ramènent encore des renforts, les cons. Oh, puis il y a du monde. Hein. Il y a du monde. Je vais bouger les archers sur le coin gauche. Hein. C'est assez discret, hein, mais... Vous allez voir, les archers vont se pointer en face de moi. Ah, c'est qu'ils vont y aller en ligne droite, donc ils risquent de se faire démonter. Ah, tiens, vous les voyez, ils sont en train de passer. Ils vont pouvoir taper. Oh merde.
Et il a mis un vieux coup de hache là. Mais ils sont combien? Ça fait combien d'heures que cette bataille dure sans déconner, c'est un truc de fou. La dernière grosse bataille, ça devait être sur Gavos Road, non? Ah, j'ai pris un vieux coup de langue. Ah. Cette violence. Ta gueule le chien. Non mais ta gueule le chien, en fait. Le ratage. J'ai l'impression qu'ils sont beaucoup trop en face. Je regarde un petit peu l'état des troupes, mais... Là, c'est kiff-kiff. Première défaite du Krugistan. Si on a pas de renfort, on est dans la merde. Donc je vais charger avec les archers. Ah, je vois pas de renfort arriver, hein. Je regarde du coin de l'œil la porte, mais... Oh, il y a des renforts, putain. On est sauvé. Et merde, ils ont des renforts aussi. Oh là. Je pense qu'on va pouvoir se permettre de remonter un tout petit peu le Battle Sizer. Oh putain, ouais. Ils ont explosé mon bouclier et derrière j'ai pas tenu. Derrière j'ai pas tenu le coup. Très chiant le ciel qui change de couleur. Je devrais pas avoir le temps d'arriver. Il doit plus rester grand monde en face.
Ok. Allez, dernier. Allez, allez, allez. Oui. Allez, plus qu'un. Yes. Ouf. Attends, on était allé chercher dans celle-là, hein. Un petit coup de taverne. J'apprends des poèmes, hein. On essaiera de se marier quand il sera temps. Perdu pas mal de personnes. Alors, marketplace. J'ai rien à vendre. Est-ce que j'ai de l'argent? Peu de sous. Je vais voir si on peut trouver le Guild Master et acheter une industrie. Son denier par semaine. Cent quatre-vingts. Ouais. Ouais, je peux. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Je ne suis pas prêt psychologiquement à acheter des... Oui. Ok. Bon, sur ce les amis, je vous laisse là pour aujourd'hui, j'espère que l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait bien sûr, on se revoit demain pour de nouvelles aventures.